Non mais c'est vraiment les pires missions, ça, je veux dire. Le problème c'est qu'on est 2 sur 3 qui ont rien pour tuer les titans parce qu'on a pas encore des missions. Ah mais ouais, mais même s'il y avait pas le titan, ouais, donc j'étais bloqué. Oui, là pour le coup c'est pas le titan le berceau de première, hein, c'est les petits bâtards. Hein. Ouais mais ça joue, tu vois, ça rajoute si on était 3 à pouvoir s'occuper déjà des mobs. Prêtre détecté. Il nous met en level 6. Là c'est toi le prêtre. En vrai, attends, on va voir si ça fait des. Si ça tue des bugs ou pas. Si ça compte. On est à 50%. J'ai l'impression que ça augmente le. C'est con. Bon, explosion. On va balancer ça. Il y a quelqu'un qui a tout fait péter, c'est qui? C'est Lucas? Ah non, non, t'as rien. Moi j'ai juste mis une frappe, mais tu sais, mais la frappe platique petite, ça a pété longtemps. Hein. Est-ce que je peux survivre plus de 3? C'est compliqué. Là. 63%, on va y arriver, on va y arriver. On va repasser ensemble. Bah, déjà, en plus, oui. Ah, mais là, c'est la mission. Alors, ouais, non, mais c'est. Mais c'est quoi cette explosion, bordel? Attends, c'est le barrage. Barrage HE en 1980. C'est qui? C'est moi qui l'ai mis avant de crever. Et bah, c'est toi le traître, en fait, donc. Non, non, ça c'est. Non, c'est ça. Hein. Un traître. Ah, si, t'as un traître, je te jure. Non, je l'ai lancé. Il a lancé. Tu fais un stratagème? Ah bah oui, mais quand tu le lances, en fait, si ça tombe trop sur les copains, je pense qu'il le considère, je t'envoie en mode traître. Non, c'est, en fait, c'est dès qu'on s'éloigne un peu, tu sais, comme on n'arrête pas de courir et qu'on s'éloigne un tout petit peu trop du centre. Ah, tu crois que c'est ça? Oui, ah, c'est sûr. J'ai eu le message, hein, et toi derrière, t'as eu le message aussi. Et en fait, comme on est en train de courir pour essayer de survivre et qu'on s'éloigne un peu trop, il part du principe qu'on fuit la mission. Et c'est mes traîtres, c'est ça. C'est quand je pensais que c'était ceux qui tuaient les copains. Non, ah bah non, sinon faut qu'il l'aurait eu à chaque mission. Ah bah oui. Il y a toujours. Ah, il y a deux titans! On a réussi! Et bim! Prophétie! Attends, faut qu'on s'extrême. Alors, non, déjà on n'est pas obligé, on a quand même gagné la mission. C'est vrai. Allez, cool. On est des héros. En vrai, les titans, on les a juste ignorés. Ah! Non, il y en a un qui est mort, je crois. Hein. Il y en a un qui est mort, il semble. Écartez-vous des titans. Il a eu mon laser pendant 10 minutes sur le cul, ça a peut-être dû le tuer quand même. Ah bah. Peut-être. Ah, mais il y a un chargeur! Ah, bon. Ah, il y a beaucoup de choses. Il a un gros trou le titan là, non? Et pas de soucis, Nera. Ah bah c'était toujours le même alors, ouais. Ah non, il y en a un qui est mort là. Il y en a un qui vient de mourir là, ça c'est sûr. Ouais. Il est toujours pas arrivé le avion. T'as pas me faire un petit renfort? Attends. Si la navette a atterri là. Bah ouais, mais je la vois pas. Ouais. Ah bah. Ce serait pas barré? Eh, ce serait pas fait défense là. Attendez, eh, vous allez arriver sur le. Ouais, oh, ouais, touché. Ouais, mais. Ça me one shot pas là, putain, ça. Attention au chargeur. Oh! Oh non, mais. Ah, c'était très drôle. Je crois qu'on l'a dans l'autre, les gars. Ah bah là. Mais ils nous auraient pas dit qu'on a perdu. Non, ça me paraît bizarre. Ils nous auraient dit qu'on a perdu, normalement. Ah, je le sens bien là, j'ai les deux jambes cassées. Oh, bim, impact. Allez. Ah bah t'étais devant. De toute façon, je peux pas bouger moi donc. Elle est où la navette, bordel? Allez, salut. Je pense qu'elle est des deux, la navette. Je crois qu'elle va. Regarde, elle va revenir. Le truc, il est ressorti. Il va une navette en la pointe maintenant, ok. Elle revient. Ouais, voilà. Normalement, elle revient. Ou alors, elle s'est peut-être fait exterminer justement. Enfin. Bah, c'est ça, et du coup, on a fait une. Bah, tiens, il vient juste d'arriver là. Et vas-y, Pookie, vas-y, Pookie. Allez, cours, tout droit, Pookie, tout droit. Non, je peux pas, y'a plus de stratagème. Mais si, il en reste deux, non? Ah, tu peux plus. Ah, mais touche, ça marche pas en tout cas. C'est pas bizarre parce que. Ouais, je le voyais en haut à gauche. Mon contrôle, il m'affichait pas les. Je pouvais pas faire les touches. C'était pas du tout le bordel. Je pense que c'est bien passé. Bah oui. Je dirais même facile. Voilà! Finger in the loose! J'ai monté du sopalin tout à l'heure. On veut pas savoir. On veut moucher, bordel. On veut pas savoir. Et je sais pas où il est, mais c'est un truc de ouf! Ouais, et puis il me dit où? Ça marche bien? Ah, mais. Ah si, j'ai cru que. J'ai pas pris de niveau, moi. Oh, là. Non, il te manque genre 2%. Ah.
Oh, Pookie qui est tout seul. Ouais, ils sont piou 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 piou. Ah là là, et on est les nouvelles recrues qui t'applaudissent sur le côté. Ah oui, c'est vrai. On a fait le même nombre de kills, Pookie. Ah, je... Tiré. Ah bah voilà, est-ce qu'il y a 500 dégâts fratricides, quoi. Super. J'avoue. Ah mais t'as vu le nombre de tirs que j'ai fait, c'est... Nous on est qu'à 103 et 170. T'as fait 321 coups, j'en ai fait 80. Bah oui, c'est ouf. Ouais, mais toi, j'ai toi, pas pu tirer, quoi. Moi, j'ai balancé des stratagèmes de porc dans le tag, avant de mourir. Oui, c'est les stratagèmes. Je le spammais mon Steam, et... C'est... Voilà. Génial. Et ref. Bon boulot. J'aurais dû prendre le lance. Ah, vous... Hop. Je valide la demande, Nat. C'est bon. Alors... Ah, 8000. Hein, il me faut combien déjà que je voulais, moi? C'était... Ah, c'est ça. Là, je peux acheter la sentinelle lance-roquette. Hein. Ça a l'air sympa, quand même. Et il y a moyen, je pense, contre les titans, ça soit génial. Alors, je vais aller faire... Sentinelle lance-roquette, hein, c'est parti. Est-ce qu'elle peut lever sa tête un peu le... Oui. Après, si elle tient dans les pattes. Oui, au pire, elle le fait tomber en mode araignée, tu sais, elle détruit les pattes. Mmh. Ok, donc on va repasser. Ah merde, attends, on est bloqué dans un cluster. Après, c'est moins dur les autres. Dans le sens vas-y. Oui, non, mais. C'est moins groupé. C'est vraiment qu'on est tombé. C'est le bordel. Bah non, mais c'est dans toutes ces missions-là, c'est toujours. Oui, c'est ça, Elles font les insectes, ils font les fumées instant, là. C'est ça. Et on se retrouve submergé de saloperie. Hein. Ah, le problème, c'est que vu qu'on peut pas gérer les titans, dès qu'on met une tourelle, elle meurt direct, quoi. Donc on peut même pas défendre sur les petits avec des tourelles. Ouais, vraiment, le champ magnétique, quoi. C'est vrai que ça, je veux chier de... Alors ça va être dangereux, mais la tour Tessa, ça va être bien pour toutes les petites saloperies, là. Ouais. Prochain truc que je compte acheter, moi, pour le coup. Ouais. Là, ouais, j'aurais dû prendre les mines, là, sur cette mission. Hop. Hop. Ah, là, c'est quoi, quand même? On voit fait. Non, c'est là, faut désactiver les trucs. Donc, alors, attends, tourelle. Allez, ouf. Lance-roquette, voilà. Je vais prendre lance-roquette et je vais prendre... Canon automatique, on va prendre... J'ai validé un truc, un gars. C'est bon, et en fait, tu peux rentrer dans le truc et genre déloguer ton Steam. Ah, c'est à moi de le faire ? Non, je vais le faire. Ah, tu peux le faire, c'est bon. Et tu mets un autre truc. Ah, il est tellement bien, le radar. Bien. Courage, Nat. Lancement. T'as découvert ce qui est trop bien, t'as dit ? Le bonus radar. Ah, oui. C'est le stratège. Les insectes avant qu'ils aient le temps de s'approcher. Vous voulez faire quoi, t'es Pookie? Ah oui, non, c'est que cette nappe, elle joue à SOD, c'est pour autre chose, elle est sur la hard. Enfin, là, elle est en train de péter un câble, mais c'est pour autre chose. Ah bah là, c'est ça, détruire les œufs et les sous la batterie. Ça, c'est pas très dur. Même si on a plein de monde au cul, c'est pas le bon. Ah, on a atterri pile sur les œufs. Vous voyez votre perso là? Non. Perso, oui. Ah oui, mais oui, pas de. Non, on voit rien. Hein. Ah, d'accord, je pensais que c'était littéral. Ok. Ah. Ah non mais... Ah, il y a pas un chargeur, putain. Faut mettre ton arme. Ouais, tu peux l'activer, ta lampe torche. Comment ça, c'est quoi la lampe torche? C'est quoi ça? Oh, il y a un chargeur. T'as eu le chargeur, on le voit au dernier moment. Ah mais c'est génial. J'ai mis le laser, attention les gars, le laser arrive. Voilà. Oui. Attention, il y a une frappe qui arrive, hein. Regardez où c'est, parce que je ne le vois pas. Ah mais le laser ça vide de... Tu tombes dans des trous mon gars. C'est ouf, on voit rien comme ça. Alors... Oh là là, le laser. Oh. Meilleur... Ça a fait 30... Je suis à 34 kills consécutifs là. C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu un 2-0. Vous allez voir, le niveau 15 il change tellement la vie en termes de... C'est pas ce que vous allez acheter. Il y a 3-4 trucs qui sont assez stylés, mais j'ai pas la thune perso. Ah, je suis tombé dans... Je suis dans l'eau. T'as tombé dans la marmite quand t'es petit, hein. Mais là, je suis mort dans de noyade. Bah, c'est con. C'est pas possible. Après, on a peut-être pas aussi l'équipe la plus... bon, hein. Non, mais je ne vois rien du tout. Non, mais déjà, pour le coup, on voit vraiment rien, c'est vrai. Après, c'est peut-être parce qu'on a mis trop de...
qu'on augmente la luminosité, quoi, mais... On passe des bombes nucléaires pour éclairer pendant 10 secondes. Ah, le chargeur... Ah, mais des chargeurs sneaky, là. Ouais, ils font pas de bruit, hein, c'est cool, en plus. Et puis on les voit pas, là. C'est horrible. Ok, perché. Ah, dommage, ils ont cassé mon truc perché. Ah, bah, je suis mort. Ouais, attends, on va faire les contrôles, là. Je crois que tu t'es pris un deuxième coup de balle là. Ah mais depuis tout à l'heure t'avais pas changé ta touche, c'est toujours avec B qui... Ouais. Pour... En même temps j'ai pas vraiment eu le temps sur la game d'avant. C'est pas... Et ensuite on a relancé direct. Alors attends... Bon faut aller... C'est où ? Qu'un Pookie au final, à part le 7, t'as rien... si t'as full 7 t'as rien raté en vrai. Non, ça fait rien pour chasseur je crois. Ah vous avez tout qui n'est... Ouais, et que y a eu... Si y a eu la dague épique. La dague épique. Ah, bah, mais comme d'hab. À part ça, caster. Ah non, la dague cac. Dague caster. Caster. Caster, ouais. Il y a eu un bâton caster. Là aussi. Et il y a eu. C'est tout, il y a eu que deux épiques. Ouais, le bâton. Les bâtons, j'ai l'impression que personne. Là, ils ont vraiment pas mis assez de spell power. Quoi. Généralement, le bâton avait un peu moins de spell power quoi, que main droite et main gauche. Mais il y avait beaucoup plus de stats. Hein. Non, c'est pas le même Pookie, c'est un autre encore. Ouais, il y en a deux. Il y a deux bâtons castor. Il y en a un qui avait... Il envoyait pas du rêve apparemment non plus apparemment. Mais c'est pas là une main ? Non, il y a deux bâtons castor. Tout le monde croit que c'est deux mains parce qu'il s'appelle bâton ? Non. Non, c'est vraiment... Il y a deux bâtons castor. Mais vous m'entendez ou pas quand je parle ? Oui. Non, mais c'est Pookie, je vous crois pas. Salut Jika ! Il y a un bâton castor qui fait 19 spell power, donc déjà c'est nul, et 2 portes entrées, ok. Ouais. Et il y a un autre bâton caster qui fait 29 spell power avec 30 enduits et 26 intel et pas de crit. Enfin, il fait juste ça. Alors, sauf qu'à une main, tu peux avoir 20 de spell power et en main gauche, 20 de spell power. Donc t'as le double, enfin c'est beaucoup mieux. Mm. Ah, il est quand même 25 d'un coup. Il donne de l'intel, bon, c'est vrai que c'est bon. Ça vend pas tant du rêve que ça, toi, tu vois, ton intel. Pas mal, hein, mais c'est pas non plus. Je veux bien un petit raise. Ah, oui. Moi, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Bah, alors, tu regardes ta map, t'as là où il y a le petit symbole électrique. Je vois qu'on a un petit truc à côté, mais. Tu vas sur un symbole électrique et tu vas appuyer sur l'interface, je te raise. Allez, t'as raise lui. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, je... Et détruire les œufs que tu croises. Après, les œufs, logiquement, je le finis. Ah, il va me manquer, voilà. Je crois qu'il y a une option pour activer tout le temps la lampe de poche. Alors comment on l'active d'ailleurs si ouais, c'est pas votre touche. Moi elle est activée quand je vise. Mais ah je oui. Je crois que t'as une option qui s'active tout le temps. Ouais. Et je sais plus. Ok, c'est bon pour les deux. Auto on. Ah voilà. Restez appuyé sur la touche pour recharger. Ah oui, ok. Auto. Et vous pouvez mettre en off. En ah off. Ouais, merci. Et là, elle est tout un petit. Et c'est un peu mieux. Ok, 2 sur 3. Le troisième, il est sud-ouest. Pourquoi il y a beaucoup de monde d'un seul coup ? Ils aiment pas ta tronche. Il l'a fumé de partout. Moi, j'abandonne le soldat Pookie. Ouais, en vrai, si tu cours vers moi, je mets une tourelle là. C'est rarement une mauvaise chose d'abandonner. Cours Pookie. Et fais gaffe parce qu'il y a une tourelle qui va te sauter dessus. Ouais, je. Ils sont encore beaucoup derrière toi. Il y a une petite cistern là actuellement. Je sais pas encore pas tout ça mérité sur Divers. Ah putain. Globalement, en gros, ils ont obligé les gens à avoir un compte PlayStation, même sur Steam. Mmh. Et ça gueule. Parce que c'est vrai qu'il y a déjà, il y a un truc qui est stupide, c'est que le PSN n'est pas disponible dans tous les pays du monde. Donc c'est-à-dire qu'en gros, en théorie, alors, tu peux quand même mytho, tu vois. Mais en théorie, ça, c'est contre les TOS de Sony, les TOS. Ouais. Et donc de mentir sur ton pays, sauf que oui, mais si c'est pas disponible sur ton pays, tu peux pas jouer au jeu, donc. Là, c'est débile. Et pour l'instant, c'était optionnel, là, ils l'ont rendu obligatoire. Ils l'ont rendu obligatoire. Ah ouais, pourtant, moi, j'ai rien fait. Ça va, soit ils l'ont rendu, soit ça va être. Ça a été, ça a été posté. Attends, je redonne le truc exact. Est-ce que c'est Sony, le studio ? En fait, c'est Sony qui a financé, je crois, en grande partie de jeu, je pense. Alors, Helldivers, blablabla. Bla, bla, 6 mai.
Ah oui, d'accord. À partir du 6 mai, voilà, les joueurs Steam auront... c'est bon, on a touché nos plus extra. Les joueurs Steam auront besoin de... d'utiliser donc avec le lien PSN, etc. Ouais, bah ça doit être celui qui casse les couilles, quoi. Très certainement. Vous avez des mobs ou quoi? J'en vois quasiment pas. Non, non, là, bah, je crois qu'il y a tout derrière nous en fait. Il y a tout qui nous chase. C'est bon, j'ai un peu clean. Le pélican est là. Ouais, c'est vrai que tiens, Ada. Il y a un chargeur qui arrive d'en être dessus. Ouais, bah bonne chance. Il se fait cartonner là, il y a un chargeur qui se fait cartonner par le pélican. Je vous envoie un laser. Putain, il envoie des super loin. Il est mort. Est-ce que le laser il arrive fait, sur. Il vient vous aider, je crois. Il s'est fait atomiser le par le pélican. Ouais, le laser, je crois qu'il va quelque part. Ici pélican 1, préparation à l'atterrissage. Ah donc les balles du pélican touchent le chargeur. Et ils font super mal, hein. Le chargeur, vous le voyez, il se faisait éclater. Oh, ça va. Je vous attends. Oh, c'est quoi ça? Ah, oh, ça change la vie, le bonus d'endu, putain. On peut courir méga longtemps, ça revient en 2 secondes. Ouais. Ouais, Bim, on est là, c'est bon. Il est juste derrière. Planète de merde en tout cas. Ouais. Là il ne reste plus qu'une mission, on a fini avec Cluster. On a eu 0 étoile. Ah non. Non. Il aussi. Ah, il y a l'anneau qui va nous éclairer. Il y a quoi t'as dit Piki? L'anneau? L'anneau de la planète, là. Ah oui. C'est très bizarre que ça éclate. Ah mais Lucas, t'es passé 15, là. Vas-y. Ouais. Ah, super. Tu dis, c'est toujours un gueux, mais là, vraiment, attends, on va le voir. Ah oui, il y a Guillaume Meurice. Ça me fait marrer, ça, pour le coup. Hein. Donc, il a refait une blague sur le prépuce de Netanyahou. Et je sais pas si vous avez suivi ça, c'est... extrêmement fun. Et donc il a gagné son procès, parce que la justice, enfin le gouvernement l'a attaqué, etc. Il a gagné. Et là par contre c'est la direction de France Inter qui là, maintenant décide de l'écarter, parce qu'il a donc refait une blague. Il disait que c'est une blague validée par la justice française, ce qui était vrai. Mais c'est quand même refait dégager. Pourtant c'est très très rigolo. C'est quoi l'info? Pardon? Ah bah l'info en gros c'est qu'il... Ah la blague ou l'info? Tu parles de quoi? Non, l'info de base. En gros, l'info de base, c'est que il a. Je sais pas à quelle partie, moi j'aime bien France Inter pour le coup, donc le dimanche. Ah ouais, j'ai rien suivi. Tu vois ce que c'est ou pas France Inter? Avec Guillaume Meurice, enfin à l'époque, Emmanuel Barré qui s'est fait dégager quand il a fait le truc d'attention, bref. Donc il a fait une blague, il y a quelques semaines, mois de ça, je crois, sur. En gros, il avait dit que Netanyahou était un nazi sans prépuce. Voilà. Et. Parce que bah, ce qui se passe actuellement est quand même pas ouf ouf. Il y a peut-être des chances que la chaîne saute avec ça, on verra bien ce qui se passe, c'est pas grave. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Guillaume Meurice qui l'a dit. Et après on est libre de penser ou pas, c'est encore autre chose. Bref, France Inter donc avait gueulé, il y avait eu des plaintes, tout le bordel, etc. Là, le blague sur les chiffres, hein, ça passe pas très bien. Donc voilà, et résultat, il y avait eu un procès qu'il a gagné. En gros, tantac, il a même écrit un petit bouquin et tout là-dessus. Et là, le procès a eu lieu... Tac, c'était... Attends, je recherche un peu. Ça, il vient d'avoir la validation il n'y a pas très longtemps, justement. C'était... En genre fin avril, là, il vient d'avoir la validation. Et donc, comme quoi, sa blague n'était pas déplacée, qu'il avait le droit de la faire, etc. Et donc, il l'a refait au dernier truc de France Inter, donc dimanche dernier.
ça a à nouveau grincé les dents, sauf que là, c'est pas la justice française qui le fait chier, c'est la direction de France Inter qui l'a écarté pour les deux prochaines émissions et qui ont mis, pour des raisons dépendantes, voilà, pour des raisons dépendantes de la volonté de la direction de Radio France, je suis convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de mon contrat à durée déterminée pour faute grave. Il m'est intimé l'ordre de cesser toute activité professionnelle à Radio France et de ne pas me présenter à mon poste de travail avant le dit entretien. Voilà, voilà. Ok. Je ne vois pas en quoi. Alors, Marie, il a été partir. Oui. Rien, je pense que ça marche. Tu peux m'envoyer ce que tu veux. Alors, c'est au bas détail. Ouais. Ça marche. T'as vu pour Game Maurice ou pas ? C'est la blague du prépuce. Mais bon, c'est pas grave. Non. C'est pas grave, ça. Oh, petite blague du prépuce. Alors, t'achètes quoi de beau, Lucas, toi ? Alors, j'ai pris la bombe atomique. Ah, le truc 500 kilos, là, ouais, ça a l'air sympa, 500 kilos, j'ai pris le laser. Ah, t'as assez de thunes pour les deux. Putain, là, tu claques pas à chaque fois. Ah bah, je claque quand je... Voilà. Et j'ai pris... Alors, je crois, je sais pas, j'avais déjà débloqué, mais ça a l'air sympa, j'ai pris l'autocanon Sentry, là. Ah oui, non, non, ça, c'était... Enfin, c'était avant, ça, mais... C'était avant, mais c'est pas niveau 15. Ouais, ça, elle est cool. Ça fait... Je crois que ça fait même du dégât. C'est un peu... Je crois que c'est le même gun, justement, que celui du Pélican. Ouais, c'est ça, ça défonce les... J'ai vu que ça défonçait les chargeurs, là. Tout à fait. Tout ça pour une vanne sur un prépuce. Alors, il y a l'aspect Nadi et l'aspect prépuce. Il y a les deux. Et c'est vrai que le... Bon... C'est compliqué, quoi. Alors, donc dernier cluster, tac. Y'a pas de double standard en France. Ah bah oui. Ah, dans ta vie, y'a pas, t'as fait une blague, c'est ça ? Ouais. Ah oui, ça c'est. Donc c'est vieux, hein. Je rappelle que Coluche dans les années 80 parlait aussi que voilà, les seuls trucs qui pouvaient pas faire de blague, c'était justement sur les juifs. Ça passait pas. C'était beaucoup trop dangereux. Quoi. Il manque que Bapouki, évidemment. 3 secondes. Pourquoi pas là ? Moi j'achète mes petits items. Ici ? Pourquoi pas là ? Ici ? Pourquoi pas là ? Ici ? Pourquoi pas là ? Ici ? Ah c'est bon ? Pourquoi pas là ? C'est insupportable en fait comme truc. Alors. Mais j'ai même pas utilisé, il y a tellement peu de mobs, j'ai même pas pu utiliser ma tourelle lance-roquette là. Je suis triste. Hein. Ok. Quand tu largues un canon anti-char, là, t'as eu un slot pour que quelqu'un prenne un chargeur, non ? Pour t'aider à recharger. Il y en a deux, en fait. C'est-à-dire que moi, en gros, c'est balle par balle. Ça, ça lâche deux lance roquettes. Ouais, c'est ok. Donc, soit quelqu'un d'autre peut le prendre, soit moi, je tire le premier. Parce que pour one-shot un chargeur, faut absolument viser la tête. Ce qui n'est pas si simple que ça. Et généralement, deux ouais, canons... Ouais, c'est une galère si tu dois, d'accord, ouais. C'est ça. Donc, au pire, je balance les deux, et puis voilà. Voilà. Si je fais ça. Oui, Nat, elle voulait que je dise. Alors. La démocratie. C'est saviez-vous, des astuces s'affichent lors de ces séquences de transition. On peut se tomber les uns sur les autres. Ah ouais. Ouais, mais ça fait rien. Ouais, ça fait